Bonjour à tous. Donc, quatrième vidéo sur le cycle éléments. On arrive au cœur. Le cœur, c'est aussi les poumons. Et donc, l'élément, c'est l'air. Donc, c'est un grand moment parce qu'on passe au-dessus du diaphragme. On passe au-dessus des os. Vous voyez, il y en a qui ont marché sur les os. C'est la symbolique. Et du coup, l'esprit de l'enfant va sortir du trouble. C'est le début de l'enfant. C'est le cœur de l'enfant. Dans notre cœur, il y a vraiment cette présence chaleureuse. C'est le centre de notre être. Le cœur se situe à mi-distance, puisqu'il y a sept chakras. Si on en prend trois au-dessus, trois en dessous, il se situe vraiment entre les deux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se situe à mi-distance entre la matière et l'esprit, entre ce qui est immatériel, la pensée, la spiritualité et la matière, la nourriture, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc c'est un endroit clé. C'est une zone clé aussi. En ostéopathie, on parle des feuillets embryologiques. Et donc c'est là où on a le mésoderme. L'endoderme, c'est le digestif. L'ectoderme, c'est le système nerveux central. Si on couple avec la spiritualité, on va dire que l'endoderme vient de la mère, c'est les émotions, et l'ectoderme, le système nerveux, vient du père. Et du coup, l'enfant, il est entre les deux, c'est le cœur. D'ailleurs, quand on regarde un cœur, il y a un cœur gauche en lien avec le corps, et la gauche, en fait, c'est symboliquement le côté féminin, et le cœur droit, il est lié au poumon. Il va prendre l'oxygène. Et du coup, il y a le cœur droit qui est masculin en lien avec l'oxygène. L'oxygène va porter avec lui le prana, l'énergie vitale en médecine ayurvédique ou en yoga. Et puis par le cœur gauche, ça va pulser vers le corps, donc ça va nourrir le féminin. Voilà. Alors il y a beaucoup de choses à dire évidemment. Retenez que l'air, c'est l'enfant. L'enfant, vous voyez, faites la différence entre la texture de l'air et la texture de l'eau, et vous aurez vraiment les deux types d'émotions. Les émotions animales, la colère, vous voyez, c'est pas du tout raisonné, alors que l'enfant, ça commence à être plus clair, plus raisonné. C'est pas l'adulte, mais c'est plus, alors j'aime pas dire noble, mais d'ailleurs, tiens, ça serait drôle de voir dans vos vies à quel moment. En gros, hein, à quel moment on devient un enfant et à quel moment on est un animal. Moi, j'ai vu mes enfants sortir du ventre de ma femme, aller directement au sein. C'est incroyable. C'est vraiment une sagesse animale, un savoir incroyable. Sortir du ventre et ils vont directement au sein, ils trouvent le sein et ils commencent à téter. C'est quand même incroyable. Et à ce moment-là, l'enfant, il mange sa maman. Il n'est pas en train de savoir que c'est du lait. Non, c'est un instinct totalement animal, il mange sa mère. Donc on est dans le royaume animal, dans le royaume de la du charnel, du corps, l'intelligence, la conscience du corps. À quel moment cet enfant, il va s'écarter un petit peu de ça et il va moins mordre ses copains pour se faire respecter et il va commencer à avoir un comportement un peu plus en adéquation avec l'autre. Je crois, en tout cas moi c'est l'impression que j'en ai, c'est que la grande différence c'est que l'animal vit seul, quelque part en parfaite harmonie avec les lois naturelles, les lois divines même. Et puis l'être humain il va apprendre des choses. Pourquoi? Pour vivre en société de façon un peu plus complexe que l'animal. Et du coup, je crois qu'on passe du stade animal à enfant quand on commence à intégrer l'autre. Et donc, quelle est ma place dans une maison, dans une école, avec les copains? Qui je suis moi par rapport au groupe? Est-ce que je dois laisser de la place aux autres? Est-ce que je peux parler tout le temps sans arrêt? Voilà, je crois que ça se fait petit à petit. Et j'aime bien voir ça comme ça. Parce qu'il y a toujours les émotions. L'enfant, il commence à refouler d'ailleurs aussi. L'animal, il refoule pas. Hein, un enfant très jeune, à 1 an. Quand ça a mal, ça pleure. Quand c'est pas content, ça pleure. Quand ça a faim, ça pleure. À 4-5 ans, déjà, il y a moyen de discuter.
hein, tu vas patienter, etc., etc. Et du coup, il y a l'autre qui arrive dans ma vie. Et donc, j'adore cet étage parce que pour toutes les raisons que je viens de vous donner, mais aussi pour me dire que le cœur est vraiment au centre. C'est le centre de mon être. Et en même temps, il est entouré par les poumons. Les poumons respirent l'air. L'air, c'est léger. C'est les émotions. Donc on voit qu'à cet étage, la pensée entre dans le corps. Et une pensée qu'on ressent, ça s'appelle comment? En tout cas, moi, je l'appelle une émotion. Voilà. Donc c'est le début de l'incarnation dans ce niveau-là. Et du coup, au centre, j'ai cet enfant sacré avec lequel je vais pouvoir de nouveau communiquer. Et à la fois, j'ai cette communication avec l'autre, avec les poumons. Donc c'est pour ça que l'air est beaucoup plus large que l'eau, que le feu d'hier. Le cœur, c'est un feu en soi, le feu de l'enfant chéri. Et c'est le feu du métabolisme aérien. Donc c'est l'oxygène qui arrive, qui repart, c'est le CO2 qui ressort. Donc ça a une importance capitale, bien sûr, au niveau de mon équilibre acido-basique, la respiration. Mais la respiration, c'est aussi le seul rythme totalement indispensable, on est clair avec ça, mais que je peux gouverner par ma pensée, par ma volonté. Essayer de gouverner son cœur et de changer le rythme de son cœur, c'est déjà plus compliqué. Le rythme de ses intestins, je ne vous en parle pas. Et alors le rythme de son cerveau, il faut méditer. Bon, on peut, mais c'est compliqué. Alors que la respiration, directement, la nature a fait que je peux directement avoir un impact dessus. Je peux ralentir volontairement, augmenter volontairement, sans. N'importe qui peut faire ça. Et on s'aperçoit vite que si je ralentis ma pensée, je vais passer dans un système, je vais changer de système nerveux, je vais aller vers du parasympathique, pardon, donc vers du calme, vers la nuit, vers le repos, vers la guérison, vers le. Voilà, mon rythme va diminuer et je vais m'intérioriser. Si j'accélère ma respiration, mes énergies vont monter, en tout cas ma rapidité de fonctionnement va monter et. Je vais passer en orthosympathique. C'est mieux pour courir, c'est mieux pour le stress, c'est mieux pour réfléchir, c'est mieux en général de façon ponctuelle quand on a besoin. C'est pas quelque chose qui est mauvais en soi, simplement dans nos sociétés on l'utilise tout le temps. Voilà, on est toujours en orthosympathique, donc il y a toujours un stress sous-jacent et ça, notre organisme il n'est pas du tout fait pour ça. Il est fait pour se reposer 80-90% du temps, ou se reposer ça veut pas dire ne pas travailler. Ça veut dire ne pas avoir de stress psychologique. Aujourd'hui, par exemple, je ne suis pas sûr qu'on connaisse vraiment la fatigue physique, à part ceux qui font vraiment des trails, des marathons. Mais dans le temps, les paysans, ils connaissaient vraiment la fatigue physique. Les paysans d'aujourd'hui connaissent aussi la fatigue physique. Simplement, je veux dire que la majorité des gens, ils sont fatigués. À 90%, c'est par du stress psychique, donc c'est de la fatigue psychique, donc c'est des soucis. Le cerveau ne s'arrête plus. Et bien la respiration, au niveau du quatrième chakra, avec ma respiration, je vais pouvoir directement ralentir, j'ai fait plein de vidéos hein, sur la respiration, ralentir le rythme de fonctionnement de mon système nerveux et du coup avoir accès à un repos régénérateur, avoir accès à une basification de ma chimie. Et donc une paix, et donc une meilleure physiologie, une meilleure oxygénation de mon système. Voilà, le quatrième chakra, c'est tout ça. L'enfant intérieur hein, est au centre de ce cœur, et les poumons lui permettent de discuter avec l'extérieur. Du coup, dans notre évolution, on a été animal, on a été enfant. L'enfant, il s'en est pris plein la tête. Donc moi je conseillerais tout le monde à vraiment commencer par l'animal, commencer par chakra 1, 2, 3, renforcer les instincts, parce que j'ai besoin de puissance aujourd'hui et de communication avec cet animal. Donc j'ai besoin de ne plus être castré par mes parents, par la société, par mes croyances, par etc. pour pouvoir récupérer de la puissance pour que l'enfant se sente en sécurité.
Parce qu'en gros, on est arrivé au monde, on nous a castrés, en nous disant que notre sexualité, c'était pas bien, que nos instincts animaux, c'était pas bien. On est des vilains garçons parce qu'on a de la colère, on est des vilaines filles parce qu'on touche la zézette, etc., etc., etc. Donc toute notre puissance animale, on nous l'a castrée. On est arrivé à l'enfance, on était faible, on n'avait pas de puissance. Et donc là, on a reçu beaucoup de chocs psychologiques, mais c'est pas, on va dire que c'est moins les chocs venus de l'extérieur que mon incapacité à les surmonter. Et aujourd'hui, une fois arrivé à l'âge adulte, ou presque, parce qu'on y va gentiment, toute la vie, eh bien, il est temps de reprendre l'animal en main, et du coup de reprendre toute ma puissance. Et cette puissance, elle va venir ouvrir le cœur directement. Pourquoi ? Parce que si je me sens en sécurité avec mon animal, je demande que ça, d'avoir le cœur ouvert. Les gens qui ont le cœur fermé, c'est parce qu'ils ne peuvent pas l'ouvrir, parce qu'ils sont en insécurité. Pour des soucis d'ego, pour des mémoires de traumatiques qui font toujours actualiser dans le présent. Mais si mon animal est puissant, il va venir sécuriser. Je ne vais plus avoir peur de l'autre et je vais avoir moins peur de mon passé. Donc je vais avoir moins peur de mon futur. Donc mes anxiétés vont diminuer. C'est tout ça que je vais trouver dans la respiration. Et dans le premier monde, dans le ventre. Et ici, on entre dans le deuxième monde, le monde de l'enfant. Et je pense que j'ai dit pas mal de choses. La couleur, c'est le vert. La glande, c'est le thymus qui est juste au-dessus du cœur ici, qui est d'ailleurs très actif chez l'enfant. Et puis ensuite, quasiment plus actif, voire plus actif du tout chez l'adulte. Mais il y a toujours une valeur énergétique. En énergétique, même quand on enlève un organe, en fait, la valeur énergétique est toujours là, même si la matière n'est plus là. On le comprend, puisque chaque cellule a sept dimensions, et la matière, c'est la première dimension. Si j'enlève la première dimension, ça n'empêche pas les sept autres d'exister. Du coup, le thymus ici, on peut discuter sur sa valeur médicale à l'âge adulte, mais sur sa valeur énergétique et spirituelle, il n'y a pas de discussion, enfin, en tout cas, d'après ces traditions-là, il fonctionne à l'âge adulte aussi. Pour la méditation, on va simplement, comme d'habitude, conscience du corps. Vous faites le tour de votre corps, vous laissez votre organisme se calmer, ralentir. Vous prenez conscience de votre respiration. Un petit moment avec de la respiration spontanée, sans la changer. Et à un moment, vous prenez la chose en main, sans jamais, jamais, jamais forcer. Vous la ralentissez. Et en la ralentissant, encore une fois, vous pouvez aller jusqu'à 20 secondes d'inspire, 20 secondes de pause, 20 secondes d'expire, 20 secondes de pause. C'est la respiration, vous allez le sentir, si vous ne l'avez pas déjà senti, c'est vraiment la respiration qui, au bout d'un moment, va, clac, vous faire descendre des paliers. Toc, vous faire descendre des paliers. Toc. Il y a des grands paliers toutes les 20 minutes en général. Ça ne veut pas dire qu'au bout de 5 minutes, vous n'avez pas pu ralentir. Hein? Et ici, vous allez vous mettre assez bas quand même, juste là, moi, mon sternum il va jusque là, ici c'est mon plexus solaire, donc vous allez vous mettre au centre ici derrière le sternum, comme si vous veniez vous poser sur votre diaphragme. Dans cette zone là, vous allez comme d'abord vous poser sur une fin d'expiration et vous allez simplement prendre conscience de l'air de la pièce autour de vous. Et vous allez prendre conscience que c'est cet air-là qui entre dans vos poumons et qui sort de vos poumons. Qui entre de vos poumons et qui sort de vos poumons. Et ce faisant, vous allez commencer à prendre aussi conscience, vous allez imaginer que votre ventre est aussi rempli par de l'air, que vos sinus est aussi rempli par de l'air. Parce que c'est toujours, les sinus c'est déjà des poumons. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Parce que c'est la même sphère, c'est toujours l'air. L'air passe ici et vient refroidir le cerveau et descend. Donc tout ça, c'est le même appareil qui va venir nourrir le cœur. Dans le cycle « Mettre l'essentiel dans l'existentiel », on avait fait cet exercice de prendre conscience que l'air entrait et que cet air qui entrait était le même que l'air extérieur. Ben là, vous allez faire le même travail et vous allez laisser votre corps se diluer, se diluer, se diluer au fur et à mesure des respirations.
Ça, c'est la méditation que sur l'air. Bien entendu, vous pouvez croiser des émotions. Continuez de respirer. Vous pouvez pleurer, vous pouvez aussi rire. Hein, les émotions, c'est pas que du négatif. Mais le meilleur conseil, c'est de rester focalisé sur la respiration et l'émotion, elle va passer. Je vous promets qu'elle va passer. Il n'y a pas de souci avec ça. Ensuite, par rapport aux transmutations qu'on a commencé à mettre en place hier, eh bien, vous pouvez faire des méditations où vous allez réintégrer d'abord la terre et la pierre, la terre, le végétal, l'eau, le feu. Et alors le passage de l'eau au feu, ça y est sur la chaîne YouTube, dans la vidéo, dans la méditation guidée thérapeutique autour de l'animal. On est l'eau et en étant l'eau, l'océan, on sent le feu du soleil nous toucher et on s'évapore, on devient de l'air. Et quand on est l'air, ben on va s'apercevoir que l'air, là je parle vraiment de perception, hein, pas de réalité, l'air connaît le feu, il passe au travers, il est plus léger. Le feu va être comme un sachet de thé dans l'air. L'eau va être comme un sachet de thé dans l'air. La terre va être comme un sachet de terre de thé dans l'air. Du coup, l'air connaît tous les autres éléments en dessous. Si vous êtes dans l'air et que vous contactez les autres éléments, par l'air, il va y avoir transmutation, il va y avoir transformation. Donc ça correspond à une libération. Quand il y a eu libération, il y a une réaxation que vous pourrez sentir peut-être ou pas. Peut-être que vous le sentirez comme une harmonisation, une équilibration. Voilà. Moi, j'aime bien le mot alignement, mais alignement, ça peut être en trois dimensions, vous voyez. Et puis, au bout d'un moment, il y a une régénération, il y a une redynamisation du système. Voilà. Faites ça et prenez plaisir à respirer, à prendre contact avec l'air. C'est léger, c'est vivant, c'est aussi votre rapport à l'autre. Et donc, l'autre, peut-être qu'on ira un peu plus loin, mais l'autre est en grande partie des parts de moi qui restent inconscientes. Et du coup, mon rapport avec l'air, c'est mon rapport avec l'autre, c'est aussi mon rapport avec l'inconscient. C'est peut-être pour ça que la respiration peut, en la ralentissant, nous faire passer dans l'inconscient et en l'accélérant, nous faire monter à la conscience. Voilà. Passez un bon moment, profitez et prenez du temps dans l'air. Passez une merveilleuse journée, bonne méditation, à très bientôt, au revoir.